état danger, le morceau impuissant, Abidjan puissance, puissance. Et ma dobre prod, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Didier Drogba la légende. Djouma Saïd, le 45. Abidjan y'a les très beaux sauts. Colossoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Famoussa Bamba, c'est le papa Djéo. C'est le Bouga, c'est le Bouga. Y'a Bouga. Oh, Saga Pichichi. Aïe, Jean-Olivier Akuno. Y'a ce qu'on le choque à bout de Kabongo, si c'est du boulevard. De l'Ossane, Abidjan y'a les très beaux sauts, Gattuso le lait, rien ne peut nous effrayer, même si c'est chaud comme un Ivoirien récupéré, El Pipi Mignon, Fabrice Delano, qui peut défaillir, autorité qui aussi prévient, Christian Petit-Héro, Malik Rameleio, Waraba Debeko, Robedel. La famille, ce matin-là, je vais m'adresser à une personnalité publique. C'est-à-dire, c'est le code caviar. Donc, quand tu viens parler à code caviar, il faut être en harmonie avec ton âme. C'est pour ça, ce matin-là, j'aimerais d'abord commencer par dire ici, je vais d'abord enlever mes écouteurs. Voilà. Parce que ce matin, c'est du balèze. Voilà. J'aimerais que si vous puissiez partager ce direct-là. Dépassons rapidement là-bas des 3000 personnes connectées pour que le Aputu National parle. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de coach à mon chic. Donc je suis ici à bien caviar. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les directs banabana. Donc ce matin, j'aimerais que si vous puissiez partager le direct là. Identifiez-moi ici coach caviar. Coach à mon chic et ses détracteurs. Écoutons d'abord cette belle mélodie là de Kérosène. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est le national. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà, c'est pas de l'abusement aujourd'hui. C'est un danger, le morceau est puissant. Vous avez vu ça? Abidjan c'est puissance. Pour vous. Puissance. Hey. Et ma dobre prod, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Didier Drogba la légende. Ça va? Djouma Saïd, le 45. Abidjan y'a les très beaux sauts. Attendez d'abord là. Rien ne peut nous effrayer. Ça va? Moussa Bamba, c'est le papa Djéo. C'est le Bouga, c'est le Bouga. C'est le Bouga. Y'a Bouga. Oh, Saga Pichichi. Ça va pas commencé, hein? On a déjà commencé à transpirer. On a déjà commencé à transpirer déjà. J'ai dit, j'avais 3000 personnes connectées ce matin. Même la chouette sera classe. Ça ne fait pas de quoi, ça mon chien. Ça chauffe pas. Ça va. Y'a les vrais bosseurs, c'est ça qu'il s'agit. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comme un Ivoirien récupéré. El Pipi Mignon, Fabrice Delano. Ceux qui boivent l'eau dans sachet, et puis vous venez vous asseoir, vous prenez votre téléphone, et puis vous parlez de coach à mon chip qui boit du champagne et qui mange du caviar. J'aimerais d'abord commencer par vous dire ici, lorsque tu veux t'adresser à une personne, il faut d'abord regarder, d'abord est-ce que toi la personne, vous faites partie du même monde. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes sur Facebook là qui ne connaissent pas leur place. Comme moi je connais ma place et je sais qui je vais défendre aujourd'hui, raison pour laquelle je suis habillé ici, un costard. Parce que quand tu viens parler de coach à mon chic, il faut avoir les accessoires qui vont avec. On te parle du champagne, on te parle du caviar. Toi, tu me parles de quoi? Toi, tu t'assois pour boire l'eau dans sachet. C'est toi, tu vas venir discuter avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je vais voir 3000 personnes connectées ce matin avant que je ne commence à parler. Écoutons cette belle chanson-là. Voilà, c'est Kérosène qui a chanté ça.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir vous asseoir pour venir parler de coach à mon chic. C'est votre camarade. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Le champagne va couler à flot. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous les enfants bénis. Les enfants préférés de Dieu là, c'est nous. C'est nous les enfants préférés de Dieu. C'est là que je vous parle là. C'est nous les enfants préférés de Dieu. Les coachs à mon chic. Les Lady Sonia. Les Foutou National. Les Bleus Brigitte là. C'est nous les enfants préférés de Dieu. Partagez le direct là. Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? C'est coach à mon chic. Aïe aïe aïe. Abidjan y'a les frappes au. Ça choque pas. Rien ne peut nous effrayer. Voilà. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le papa Djao. C'est le bouquin, c'est le bouquin. C'est le bouquin. Y'a bouquin. Eh, ça capite, tiye. Aïe, ça Olivier Akuno. Y'a ce qu'on le choque. Y'a les gens, 3000 personnes connaissent. 1500 partages. C'est le caviar. John Free Prier. Papa. John Free Prier. Happy voiture. Fori Fori Formano. Est-ce que vous voyez un peu la classe? Abidjan y'a la trabosse. Gattuso le lait. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il faut rien récupérer. El Pipi Mignon, Fabrice Delano. Tipi de Fali. Je vais parfumer un peu. Voilà. Regardez bien. C'est du Dior. C'est du Dior. Je ne me parfume pas avec n'importe quoi. Quand tu fais directement bien sorti, c'est du Dior. Regardez bien. Je parle ici de quoi tu as mangé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le national. C'est Dieu. Partagez le direct, la mettez les cœurs. Et Manolo, Abidjan y'a la promotion. Chico Lacoste, rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il faut rien récupérer. Colonel Ouattara, ça a belle épée. Sergio Desvidère. Papa! Colonel Ouattara, ça a belle épée. J'ai dit 3000 personnes connaissaient. Colonel Ouattara, ça a belle épée. La ceinture, c'est du Gucci. C'est de ça qu'il s'agit. La chaussure, c'est du Dior. Regardez bien, c'est du Dior. Je dis, c'est coach à mon chic, parce que là. Il faut les abonnés. Oh. Aïe. La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Oba Goudou, Laurent Babo. Papa Babo. Laurent Babo. Tout le monde. Allez. Abbé de Turin. Mascratel. Mascratel. Petit génie. Oh, oh. Oh. Ibrahim Ibepamba. René Hamilton. Partagez le direct en commentant le Mercure. Fort. Ça, c'est un nouveau paquet spécial. On va transpirer. Le président. Président. Alex Gassien. Le prince de la vie. Abidjan et à la promotion. L'honorable Goukou. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il faut rien récupérer. Petit papa Gon. Applaudissez Singo, Neti Bamba sous les Kobana, sous les Massafouroué, la Panthère, Franck et Kessé. Partagez le direct, donc vous montons le Mercure. Vous êtes à combien de partages? Le direct va commencer maintenant. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir ici d'abord le nombre de partages pour que nous puissions commencer à parler. Voilà. Attendez que je vérifie. Ok. Nous allons commencer à parler. Je vais d'abord rapprocher. Voilà. Pour être bien assis. Voilà.
Attendez, parce que ce matin-là, il ne doit pas trop transpirer là. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'aimerais, si on entrait des jeux, d'abord que vous puissiez écrire en commentaire ici. Dis quelque chose, papa. Parce que ce matin ici, j'aimerais m'adresser à tous ces détracteurs, à tous ces frustrés qui sont sur la toile, qui depuis des années font des vidéos mais qui n'arrivent pas à se démarquer. J'aimerais d'abord vous dire, c'est nous les enfants protégés, nous les enfants aimés de Dieu là, c'est nous. Voilà. Les enfants les plus aimés de Dieu là, c'est le Hapoutou National. Les enfants les plus aimés de Dieu là, c'est l'Edisonia. Les enfants les plus aimés de Dieu là, c'est Côte Kavia Amoshi. Quand je prononce même son nom, même j'ai envie même de me passer encore avec du Dior. C'est de ça qu'il s'agit. Ah! Pour enlever un peu les odeurs des jaloux, des sorciers, de ceux qui ne veulent pas nous voir prospérer, nous voir avancer là. J'aimerais vous dire, tant que vous allez vous parfumer avec un lomo, c'est normal que vous allez rester dans une frustration. Donc, ce matin, écrivez un commentaire. Dis quelque chose, papa. Parce que je vais prêcher ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Le direct n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Partagez le direct, augmentons le mercure. Voilà. Augmentons le mercure. Je vais voir ici, dis quelque chose, papa. Tant que je ne vois pas, je ne commence pas mon direct. Écrivez en commentaire, dis quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les enfants préférés de Dieu sont là. Les enfants que Dieu aime sur la terre, là. J'en fais partie, donc, mais voilà, je suis là. Voilà. Bonjour déjà à toutes les personnes qui sont déjà connectées ce matin. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Hapoutou National, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Ce matin, je suis assis comme cela parce que j'ai vu quelques personnes jacasser sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelques personnes qui ont une frustration vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui, ne serait-ce que la petite notoriété ou même la petite célébrité, pour que nous, parce qu'on est modeste. Voilà, nous sommes des personnes humbles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je fais partie des personnes les plus connues sur la toile Facebook que je vais me donner un genre. Mais je reste toujours la tête sur les épaules. Et quand tu as mon chic aussi, on fait pareil. Je vis des personnes l'accuser de voleuse. Parce que dans la vie, lorsque ton étoile commence à briller, lorsque tu commences à devenir quelqu'un de très important, lorsque le monde entier commence à parler de toi, il faudrait que le diable puisse venir remuer sa queue. Je vis des personnes accusées quand tu as mon chic de voleuse. Je vis des personnes accusées de menteuse. Je vis des personnes dire que Kouachi Amoshi est vulgaire dans ses directs. Et qu'elle n'est pas une femme de bonne moralité. Et qu'elle n'est pas quelqu'un qui peut conseiller des femmes. Et que Kouachi Amoshi est quel genre de coach. J'aimerais d'abord commencer par vous dire, à vous ces brebis égarés là. Parce que si vous ne le savez pas, sur la toile Facebook ici, nous sommes des bergers. C'est nous qui parlons et puis vous vous suivez derrière. C'est nous qui disons quelque chose et puis le troupeau suit derrière. J'en fais partie des bergers de Facebook. Parce que je fais partie des bergers. Donc je m'adresse ici aux brebis égarés. Ceux qui allument leur téléphone pour venir s'asseoir, pour venir insulter la Côte Caviar. J'aimerais d'abord vous poser, est-ce que vous arrivez à manger 3 fois par jour au moins? Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour peut s'asseoir pour dénigrer une si belle femme. Une femme qui se bat et qui cherche à faire évoluer la société. Une femme qui ne vous a pas obligé à venir sur ses directs. Qui ne paye pas quelqu'un pour venir la suivre. Mais les gens la suivent parce qu'ils ont trouvé en elle quelque chose de différent. Mais je n'arrive pas à comprendre que vous vous acharnez sur sa vie. Vous cherchez coûte que coûte à la détruire et à ternir son image. J'ai vu quelques personnes faire des vidéos pour dire que nous, ils sont rentrés en contact avec Kouachi Amoshi par rapport à ses prédications ou bien soit par rapport à ses coachings privés. Il y a d'autres personnes qui disent que non, ils ont acheté des produits avec elle et ces produits ne sont pas venus. Comment vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas entendu sa voix? Vous n'avez même pas pu échanger avec elle. Oui, je suppose que Kouachi Amoshi est aujourd'hui une personnalité publique, donc du coup, on ne peut pas décrocher à tous les téléphones. Mais elle a quand même un numéro standard, c'est-à-dire un numéro où quand tu appelles dessus, tu sais que c'est le secrétaire de Kouachi Amoshi qui décroche forcément ce numéro. Donc avant d'envoyer de l'argent à quelqu'un pour un produit, tu vas d'abord analyser pour voir d'abord est-ce que je m'adresse véritablement à la personne? Est-ce que c'est Kouachi Amoshi véritablement qui a l'appareil? Mais vous vous faites anarquer sur la toile par des personnes qui prennent nos images. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des faux profils. J'ai vu des personnes qui ont pris mon image pour créer des comptes Facebook. Donc, si vous envoyez de l'argent à ces personnes, à sous prétexte que vous me les envoyez à moi, ne soyez pas étonnés qu'on vous anarque. Parce que avant d'envoyer quelque chose à Hapoutou National, il faut t'assurer d'abord de savoir est-ce que tu t'adresses à Hapoutou National. J'aimerais si ce matin que vous puissiez écrire un commentaire, prêche. Dis quelque chose, papa, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais.
Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce matin? Donc ouvrez grand vos oreilles là. Vous, ces brebis égarés là. Des personnes se lèvent comme cela. Ils viennent accuser Coach Amochik. J'ai vu des personnes dire que non, elle n'est pas une femme de bonne moralité parce qu'elle fait des vidéos, qu'elle est vulgaire dans ses vidéos. Mais j'aimerais d'abord vous dire, sur Facebook là, chacun a son public. Sur Facebook là, quand ça ne te plaît pas, tu quittes là. Quand tu essaies un direct et que tu n'aimes pas le direct, tu quittes sur le direct là. C'est pour ça qu'on appelle ça cliquer et puis quitter. Personne n'oblige quelqu'un à suivre quelqu'un. Personne ne vous demande de nous aimer. Mais respectez quand même notre travail et ne cherchez pas à ternir notre image. Ne cherchez pas à nous ridiculiser. Ne cherchez pas à mentir sur nous. Vous vous levez comme cela un matin et vous voulez salir l'image de Coach Amochik. Par rapport à quoi? Ça s'est passé hier avec Lady Sonia. Aujourd'hui, ça se passe avec Coach Amochik. Demain, ça sera qui? À qui le tour? Pourquoi est-ce que le noir est toujours là en train de chercher à détruire l'image des autres? Pourquoi le noir est toujours là en train de chercher à ternir l'image des autres? Pourquoi le noir est toujours là en train de chercher comment il va faire pour détruire la vie des autres? Je sais que ça fait longtemps que vous faites des vidéos, personne ne vous regarde. Donc vous avez besoin d'une occasion pour venir cracher vos venins, pour que les gens puissent un peu parler de vous. Mais j'aimerais vous dire, et comme je le redis encore, sur Facebook, il y a des bergers et puis il y a des brebis. Nous sommes les enfants préférés de Dieu. Donc nous là, on fait partie des bergers. C'est nous qui parlons et puis vous suivez derrière comme des troupeaux. Ne venez pas là en train de parler, en train de l'insulter, en train de la dénigrer. Peut-être que c'est ce qu'elle dit là qui vous fait mal. Je vais mettre ici quelques propos de Coach Amochik qui peut-être les tourmente, qui peut-être les empêche de dormir. Voilà, je vais mettre ici la Coach Caviar, la Coach Champagne. Quand même, je parle même d'elle-même, déjà même j'ai la chair de poule. J'ai comme l'impression que même je m'adresse même. Regardez la dame. Toi, tu es dans une relation. Le gars même, il n'a même pas fait coco-co. Il t'a même pas doté. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation couchage. C'est toi qui joues les grandes généreuses. C'est toi qui vas partager le direct à la famille. C'est toi qui lui offre des vêtements, des chaussures. Toi-même, tu n'as pas sac de Mac. C'est toi qui vas lui acheter des chaussures de Mac. Toi-même, tes parents, même tes petits frères qui sont dans la maison là, ils te demandent même 5 francs, tu ne leur donnes pas. C'est toi qui vas aller acheter les jouets pour ses neveux. C'est toi qui vas acheter les jouets, les cadeaux pour ses soeurs. Pourtant, dans ta famille là, il n'y a pas plus avare que toi. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça, là, tu penses que le gars il va faire quoi à toi? Ma chérie, il va jeter te marier. Il va te jeter un matin. C'est quoi ça? Non, il y a dit la vieille, mais ce n'est pas amusement. Hein? Et quand je te regarde, même quand il regarde même ton sourire, même là, c'est-à-dire que s'il y avait la possibilité même de te prendre dans mes bras, mais c'est-à-dire que t'emballer même pour sentir le cardiaque qui transpire dans ton âme là. Il dit, tu es un genre que tu dégages, non? Je ne sais pas si peut-être c'est ce genre-là qui arrive à tourmenter ses détracteurs, nos fils et nos faces. Oh, il y a ce matin-là, le français est limpide comme ça. Regardez comment ça se suit. Parce que je m'adresse à Coach Caviar. Ce matin-là, je ne pense pas que je pourrais dire un français bizarre. Parce que ce matin, je m'adresse à une personnalité publique. Quand je regarde même la beauté, la sensualité, quand je compte même la parole de Coach Amochi, c'est-à-dire que si tu n'es pas maudit sur la terre, là, tu ne peux pas regarder son direct et puis être fâché. Parce que tu ne vois pas dans ses yeux quelqu'un qui a la haine ou quelqu'un qui cherche à détruire la vie des femmes. Mais au contraire, qui cherche à dire aux femmes en pleine... C'est que chercher à travailler. Voici comment les garçons se comportent. Voici comment il faut reconnaître un bon garçon du faux garçon. Mais quand elle commence à parler comme ça, ça vous fait mal, ça vous pique. Je vous le dis, elle n'est pas dans les ho-ha. Elle n'est pas dans les ha-ha. C'est la daïchikane des coachs. Elle te dit, la daïchikane des coachs. Elle n'est pas dans les ho-ha. Elle n'est pas dans les ho-ha. Elle n'est pas dans les you-gos. Elle, c'est du caviar, c'est du champagne. Elle, là, c'est elle-même, tu l'embrasses, tu la caresses, elle ne transpire pas. Elle n'est pas dans vos ho-ha. Elle n'est pas dans vos ho-ha. J'imagine déjà même l'homme même qui dort à côté de Coach Amochik même. J'imagine comment il se sent, le gars, là. Parce que quand il soulève, la vieille mère, il dit, j'ai envie même de faire un songe, mais où ma femme de nuit même va prendre ton visage pour venir, quoi. C'est qu'il y a attendez, bois un peu le champagne. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous vous levez comme cela pour venir la salir, mais vous ne pourrez pas la salir. Vous ne pourrez pas ternir son image parce qu'elle est beaucoup aimée. La preuve en est, regardez des personnes qui me suivent aujourd'hui en direct ici. Ils sont tous là parce qu'ils adorent tous Coach Amochik. C'est une femme qui se bat. C'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui a une classe. C'est une femme qui a une clarté. C'est une femme, même quand tu la vois même là, c'est pas côté beauté physique forcément. C'est pas parce qu'elle est trop belle, mais le genre qui est dégage. Vous savez, la vraie beauté d'un homme, c'est pas forcément le joli visage. Mais c'est ce que tu dégages en tant qu'être humain. Je ne suis pas trop beau gosse.
Mais quand vous regardez le Apoutou National, là, j'ai un genre. C'est ce genre-là qui me différencie de ceux qui font les vidéos sur la toile. Quand tu regardes le Apoutou National, même tu as envie de le laper. C'est-à-dire que les femmes même écrivent en e-boss, elles ont envie de sentir ma transpiration. C'est parce que je dégage quelque chose. Et c'est ce genre de personnes-là qui tourmentent beaucoup la toile. J'aimerais d'abord commencer par vous dire ici, personne ne vous oblige à venir aimer Coach Amochik. Coach Amochik n'est pas une voleuse. Et elle ne peut jamais voler 180 euros. C'est pas à cause de 180 euros qu'elle va gâter son nom. C'est pas à cause des petits miettes de 180 euros qu'elle va venir gâter son image. Quelqu'un qui est suivi par plus de 700 000 abonnés. Combien elle gagne par jour, par ses prédications, par ses directs? Pour venir s'asseoir là, pour venir voler 180 euros de quelqu'un, c'est pas possible. C'est les gens de personnes, quand tu les appelles une fois, tu dis pas son nom deux fois, et puis voilà, lui, il vient. C'est ce genre de personnes qu'elle appelle Coach Amochik. Voilà. Donc, avant de venir vous asseoir pour venir tenir l'image de quelqu'un, renseignez-vous d'abord de savoir, mais est-ce que la personne que je viens tenir son image là, est-ce que la personne est comme ça en réalité? J'ai vu des personnes, des femmes, allumer leur téléphone, des femmes à deux balles qui n'arrivent même pas même à ne serait-ce que même faire une coiffure correcte sur les têtes, qui vient s'asseoir pour parler de cette beauté-là. Des femmes qui n'arrivent même pas à se brosser matin, midi et soir, qui viennent s'asseoir pour parler à une classe sociale. Ton chéri t'a bloqué. Regardez. À chaque fois que vous avez un petit problème, il te bloque. Ah, d'accord. Ah, non, il ouais. Faut pas le bloquer. Pourquoi tu vas le bloquer? Faut pas le bloquer. Attends. Mm-hmm. Quand il va te débloquer, là, mm-hmm. c'est là que tu le bloques. Voilà. Mm-hmm, c'est quoi ça? La douleur de ça, le mal de ça. Tu connais ça? Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est faux? Tu es dans une relation avec un gars. Le gars t'a bloqué. Et puis toi, en retour aussi, tu veux le bloquer. Elle dit non, faut pas le bloquer. Il faut attendre. C'est un vrai conseil qu'elle te donne. Le jour qu'il va te débloquer, puis il va t'écrire là. Toi, en retour, maintenant, tu le bloques. La frustration qui sera dans ses yeux. La haine qui sera dans ses yeux. Le respect qu'il va avoir vis-à-vis de toi. Est-ce que ça, c'est pas un conseil pour amener nos sœurs à se faire respecter? Tu peux être dans une relation. Et puis, toujours, c'est toi qui es prise comme une chienne. Où le gars, il te traite comme à sa merci. C'est quand il a besoin de toi qu'il t'appelle. Qu'il n'a pas besoin de toi, il s'en fout de toi. C'est ce genre de conseil qu'elle te donne pour te dire, ma chérie, il faut te faire respecter. Tu te fais respecter dans le contexte que si un garçon ne t'envoie pas message une fois dans la journée, il faut savoir que ce garçon-là ne t'intéresse pas. Ce garçon-là ne cherche pas à avoir une relation feuille. Une relation fructueuse. Tu as dit ce matin, tu vas parler. Une relation. Oh. Attends, il y a un peu de champagne. Coach Amochik, rentre dans mon corps, Coach Amochik. Parle à travers moi. Je te libère mon âme ce matin, Coach Amochik. Il faut parler à travers moi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voici ces conseils aujourd'hui qu'il donne à nos soeurs. Mais vous venez vous asseoir là matin, midi, soir en train de jacasser. Vous attendez une petite occasion pour venir la ternir. Parce que pour vous, sa célébrité, sa gloire, sa notoriété. Pour vous, aujourd'hui, elle fait des directs et elle fait partie des femmes les plus suivies de la toile. Parce qu'à chaque fois qu'elle est en direct, il n'y a pas moins de 5000 personnes qui la suivent en direct. Ça vous fait mal. Parce que vous voulez ressembler à Coach Amochik. Mais j'aimerais d'abord vous dire, avant de venir t'asseoir pour parler, il faut savoir d'abord, est-ce que tu fais partie des enfants préférés de Dieu? Si parmi ceux qui me suivent en direct ici, il y a quelqu'un qui fait partie des enfants préférés de Dieu, j'aimerais que vous puissiez écrire ici, je fais partie des enfants préférés de Dieu. Je suis un enfant préféré de Dieu. Écrivez un commentaire ici. Dites, papa parle ce matin-là. J'ai dit, si parmi ceux qui me suivent ici, les 2000 et quelques personnes qui sont en direct en ce moment, en train de suivre l'Apoutou National, si tu fais partie des enfants préférés de Dieu, comme Coach Amochik, écrivez un commentaire ici, je fais partie des enfants préférés de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? J'aimerais entendre ici dire quelque chose, papa. J'aimerais entendre ici dire quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, apprenez à faire la différence, apprenez à faire la part des choses. Sur Facebook, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Sur Facebook, il y a des personnes qui n'ont pas de conviction. Il y a des personnes qui ne savent pas même pourquoi ils sont venus sur Facebook. Mais nous qui savons pourquoi nous sommes venus sur Facebook là, laissez poursuivre nos chemins. Vous restez dans vos bruits. Restez dans vos hawa. Restez dans vos yougos là-bas. Restez dans votre médiocrité. Restez dans votre lot là-bas. Mais nous qui savons ce que nous voulons, où nous voulons aller, et quels sont nos objectifs là, ne venez pas nous embrouiller sur notre chemin. Parce que nous sommes les enfants préférés de Dieu. Nos lignes sont tracées. Nous avons un chemin à parcourir. Nous avons beaucoup de personnes à qui nous devons donner de la joie. Nous avons des personnes que nous devons toucher. Ne venez pas nous embrouiller. Restez dans votre médiocrité là. Restez avec le troupeau là-bas. Parce que sur Facebook, il y a ceux
qui parlent. Il y a ceux qui en écoutent. Et puis il y a ceux que le monde rêve. Nous faisons partie de ceux qui en écoutent et ceux que le monde rêve. Vous qui parlez là, restez dans votre parler là-bas. Ne venez pas nous embrouiller. Nous ne faisons pas partie de la même classe. Nous ne faisons pas partie de la même classe. De la même classe. Les bœufs se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Vous, vous êtes les bœufs de 100 francs, les bœufs de 200 francs, les bœufs de 300 francs. Mais nous, on fait partie des bœufs blancs. C'est-à-dire que les bœufs qu'on vend en millions, les bœufs où les ministres achètent, pas les bœufs où un petit, n'importe qui peut se lever pour aller acheter ça au marché. Nous, on ne fait pas partie de ce troupeau-là. Donc, restez tranquille. Ça vous gêne, ça vous pique. Quand elle parle, ça vous gêne. Quand elle dit, voici, il faut se comporter, voici les positions qu'il faut faire. Mais chacun est libre. Sur Facebook, là, chacun a ses coachs. Il y a des coachs comme Lady Sonia qui sont dans une autre dimension. Il y a des coachs aussi comme coach Aboshik qui sont dans une autre dimension. Chacun a ses abonnés, chacun a ses fans. Quand tu veux, lorsque tu veux écouter des conseils qui sont typiques dans la relation même de foyer, tu vas directement taper à la coach Aboshik. Mais quand tu veux aussi écouter aussi des conseils qui sont typiques aussi dans l'évolution, dans l'épanouissement, dans la richesse, dans devenir quelqu'un, devenir femme entrepreneur, tu vas taper à la porte de Lady Sonia. Quand tu veux écouter la vérité sur la toile, quand tu as besoin que ton âme soit dans la vérité, il y a un gars qu'on appelle Apoutou National, qui n'est pas dans un sujet tabou, qui ne pèse pas ses mots avant de parler. Tu viens taper à ma porte, tu t'assois, tu regardes mon direct, tu sors de là comme si tu étais quitté à l'église. Ton âme est purifiée. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu quittes dans mon direct là, c'est comme si tu as quitté une prédication religieuse. Quand tu quittes dans mon direct là, c'est comme si tu écoutes un homme de Dieu parler. Quand tu quittes dans mon direct là, c'est comme si ton âme reçoit une réconfortation qui n'a même pas de nom. Parce que quand tu écoutes le Apoutou National, c'est comme si tu te demandais, mais c'est qui ce jeune là? Tu sors de mon direct avec la main au cœur. Tu sors de mon direct et puis tu as la joie au cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a son régime sur la toile. Ne venez pas nous embrouiller. Respectez coach Aboshik. Elle ne vous a rien fait. Ne cherchez pas à tenir son image. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec elle, vérifiez d'abord si vous parlez à coach Aboshik. Pour ceux qui veulent acheter des produits de coach Aboshik, vérifiez d'abord si vous parlez à coach Aboshik. C'est de la même manière aujourd'hui, n'importe qui se lève et prend les images. Vous partez, vous abonnez si quelqu'un qui a 2 ou 3 abonnés. Vous partez, vous abonnez si un profil ou quelqu'un a 3 ou 4 amis. Et puis vous pensez causer avec coach Aboshik parce que vous voyez le visage de coach Aboshik. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, là, ça a pris une nouvelle dimension. Quelqu'un peut prendre n'importe quelle image et puis créer un compte Facebook et puis se faire passer pour quelqu'un. Quelqu'un peut prendre n'importe quelle image et puis créer un compte Facebook et puis se faire passer pour une personne qui n'est pas. Pour vous arnaquer. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont devenus plus que la télévision. Donc, apprenez à faire la part des choses. Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, quand vous voulez consulter quelqu'un, quand vous voulez acheter un produit avec quelqu'un, vérifiez d'abord est-ce que vous vous adressez à la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ne partez pas donner votre argent. Et puis quand vous ne voyez pas le résultat en retour, vous venez tenir l'image parce que la personne a pris l'image de quelqu'un pour venir faire. C'est pas pareil. C'est pas parce que la personne a mon image que c'est moi. Donc apprenez à faire la part des choses. Respectez les enfants protégés de Dieu. Respectez les enfants les plus aimés de Dieu. Respectez nos coachs caviar. Respectez nos coachs champagne. Respectez la taille chicane de coach sur la toile. Ne venez pas parler parce qu'il faut parler. Apprenez à faire la part des choses. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un ce matin? J'aimerais ici que vous puissiez dire quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici que vous puissiez dire quelque chose, papa. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Oh. Vous allez venir vous amuser. Vous parlez. Regardez même. Regardez comment elle est. Ma chérie, laisse-toi draguer. Uh-huh. Laisse le temps à un homme de te draguer. Il n'y a rien de tel. Ouais. Lui, n'aie pas peur. Ne te dis pas qu'il va se décourager. Un homme, tant qu'il n'a pas encore goûté au paradis, il ne va jamais se décourager. Mm-hmm. Tant qu'il n'a pas encore goûté au paradis, il peut même déplacer la montagne pour te donner. Exactement. Oui, alors laisse-lui le temps de te draguer. Ouais. Laisse-lui le temps de te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Exactement. Il n'y a rien de tel. C'est tellement doux. C'est tellement... C'est rajeunissant. Vous voyez ça? Regardez même le sourire même. C'est que son petit point de beauté qu'elle a là même là, j'ai envie même de... Oh, Apoutou, mais tu es jeune, tu as 30 ans. Tu as 30 ans, tu es jeune. Sinon, ces gens de personnes même là, quand tu dors même, elle-même, tu te réveilles le matin même là.
Quand tu la regardes, même tu regardes le ciel et puis tu te demandes, mais c'est moi, j'ai tapé ça. Ouais, c'est que c'est un champion. Okay? Ces gens de personnes, même là, quand même tu es elle-même, okay? Son parfum, même déjà, même là. Quand tu sens son parfum, même, c'est comme si tu sentais la présence du Seigneur Jésus. C'est pas comme les filles où quand elles arrivent, tu sens l'odeur de la perruque qui arrive même déjà. Elle ne fait pas partie de cette classe-là. C'est pas comme les filles, quand tu la vois venir même là, elle est à 100 mètres de toi même, et puis tu sens odeur de perruque, odeur de cheveux là, ça te frappe comme ça, bah! C'est quand même, tu es en train, tu es sur elle-même, et puis tu bouges ton nez. Elle ne fait pas partie de cette classe-là. C'est pas les gens de filles même là, quand même tu la touches même, tu fais comme ça net, et puis odeur te prend. C'est que tu as comme l'impression que quelqu'un a lâché dans la salle. Oh, personne n'a lâché. C'est que la gomme même, c'est comme ça, elle est de manière naturelle. Elle ne fait pas partie de cette classe-là. C'est les gens de femmes, quand tu enlèves un bouton, avant d'enlever le deuxième bouton même là, ton âme même tremble. C'est que tu es obligé d'aller doucement. Tu es obligé de faire avec la classe. Même si tu es brutal, même si tu es l'homme le plus bandit du monde, même si tu es l'homme le plus criminel du monde, mais quand tu regardes même quoi tu as mon chiffre, avant d'enlever un bouton, avant d'enlever un soutien, avant même d'enlever même le t-shirt même là, toi-même tu la regardes, et puis tu te regardes, tu dis non, je fais partie des enfants préférés de Dieu. C'est pas amusement. La coach, tu es caviar, tu es champagne, tu es Louboutin, tu es Versatier, tu es Louis Vuitton, tu es Dior. Elle fait pas partie des yougou yougou. Elle là, son bal là, on ne casse pas ça au marché de Coco Vico. Bal de coach à mon chic là, on ne casse pas ça au quartier, au marché de Coco Vico. Mais quand tu vas même sur les Champs-Élysées même, tu cherches avant de la voir. C'est-à-dire que, c'est même pas pour dire que non, tu vas la voir facilement. Non, tu cherches avant de la voir. Et quand tu gagnes, c'est comme si tu as rapporté une guerre. Quand tu gagnes, c'est comme si tu as vécu l'enfer et tu sors de là comme un vainqueur. Quand tu gagnes, c'est comme si, je sais pas comment. Vous savez, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que n'importe qui se lève, n'importe qui parle de n'importe qui. Tout ça à cause des réseaux sociaux aujourd'hui. N'importe qui se lève et n'importe qui vient s'asseoir pour parler des gens. Toi-même, ta perruque sent mauvais. Ton visage même ressemble à la pauvreté. C'est comme si tu es l'enfant préféré du diable. Nous, on fait partie des enfants préférés de Dieu. Produit même, tu mets sur toi là, ça ne t'arrange pas. Ton teint là, c'est comme si tu es lézard. Tu as couleur violet ici, tu as jaune ici et puis tu as gris ici. Tu t'assois sur un canapé pourri et tu viens, tu allumes ton téléphone. Coco, tu as mon chic, c'est une voleuse. C'est que même dans la vie, même c'est parce qu'on est tous mélangés sur Facebook. Quoi. C'est que Facebook est devenu aujourd'hui comme quelque chose même où tout le monde est sur Internet. Tout le monde parle de n'importe qui et de n'importe quoi. Raison pour laquelle même c'est brebis et garé là, ça sert aujourd'hui pour parler de coach à mon chic. Sinon, normalement, là, il devait avoir une classe sociale. Pour ceux qui sont les enfants préférés de Dieu comme nous, on devait être en haut. Et puis quand tu allumes ton téléphone même, quand tu mets titre même, je vais m'adresser à coach à mon chic là, Facebook te bloque. C'est que normalement, c'est ce que Facebook devait faire. Quand tu allumes ton téléphone, je vais m'adresser à coach à mon chic. Direct de feu, urgent. Appelez mon coach à mon chic là. Facebook regarde même ton côté standard et puis il te bloque direct. Ton direct ne passe pas. Ils vont te dire de changer le nom. Parce que la personne que tu viens parler de lui là, c'est pas la même chose. C'est que quand tu veux parler même à Lady Sonia, quand tu allumes ton téléphone comme ça, tu mets titre, je m'adresse à Lady Sonia. Facebook te bloque. Tu allumes direct, ça passe pas. Mais quand tu t'assois, tu dis, je vais m'adresser peut-être à une classe sociale pour ne pas frustrer quelqu'un. À des petits blogueurs là que vous connaissez là, qui sont dans les insultes, les injures, qui allument les téléphones, les brebis égarées de Facebook là, qui sont pas, pourquoi ils sont sur Internet là. Voilà. Quand vous êtes dans le même lot, quand tu allumes ton téléphone, je vais m'adresser à tel, Facebook même valide. Mais quand tu veux t'adresser à Poutou National, Facebook te bloque. Tu t'adresses à qui? Le National? Le blogueur le plus aimé de la toile? Tu es aimé par tous les partis politiques? Tu es malade ou bien tu es fou? Tu veux parler à qui? À Poutou National? Blocage. C'est parce que Facebook n'est pas encore arrivé à ce standing là. Sinon, normalement, voici comment Facebook devait se comporter. Pour que vous là, vous puissiez reconnaître votre place et rester dans votre médiocrité là-bas. Ne venez pas nous embrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas nous embrouiller sur la toile. Restez là-bas tranquillement. Embrouillez-vous en vous là-bas. Embrouillez-vous en vous, les 200 abonnés, les 300 abonnés, les 16 000 abonnés, les 20 000 abonnés. Vous qui faites les directs et vous êtes subis par 30 000, par 300 personnes, 200 personnes, 50 personnes là. Restez dans votre registre là-bas. Nous qui dépassons toujours là-bas des 2000 personnes connectées, 5000 personnes connectées, 10000 personnes connectées, 20000 personnes connectées, restez. Nous, on reste dans nos registres. Parce qu'on ne vient jamais parler de vous. Hein. Vous savez, les patrons n'ont pas le temps de parler de leurs servantes.
Vous avez déjà vu un boss critiquer ses employés? Depuis que vous êtes né là, vous avez déjà vu quelqu'un qui a l'argent qui critique ses employés? Non. C'est les employés qui critiquent les boss. Donc nous là, nous sommes vos boss. C'est normal que vous nous critiquez. Mais sachez critiquer. Parce que vous risquez d'être viré. Vous risquez de perdre le peu d'abonnés que vous avez. Vous risquez de vous faire détester sur la toile. Parce qu'en voulant trop parler, en voulant trop gesticuler, en voulant trop mettre vos bouches dans ce qui ne vous concerne pas, vous risquez de perdre le peu d'abonnés et de considération que les gens ont pour vous. Donc restez dans vos registres là-bas. Nous, nous faisons partie des classes sociales. Nous là, c'est nous les patrons sur la toile. On ne peut jamais s'asseoir pour parler de vous. C'est pas possible. On ne peut jamais s'asseoir même pour prendre votre image, même pour montrer à nos abonnés. Parce que nous sommes les chefs. C'est vous les employés. C'est nous qui vous donnons du travail. C'est nous qui parlons et puis vous suivez derrière. Donc apprenez à nous respecter. Apprenez à nous respecter. Restez dans votre registre là-bas. Ne venez pas nous embrouiller. Tu as déjà vu un patron critiquer ses employés? Tu as déjà vu un patron venir s'asseoir pour venir dire que non, ma servante fait tant. Ma servante fait tant. Non. C'est les servantes là qui se réunissent dans le quartier pour parler de leur patron. C'est pour ça que deux ou trois personnes allument leur téléphone pour parler de quoi tu as mon chiffre. Parce que vous êtes les servantes de Facebook. Vous êtes les brebis égarés de Facebook. Donc vous venez vous asseoir pour venir parler de quoi tu as mon chiffre. Tu ne peux pas venir s'asseoir pour venir parler de vous. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même classe. Ce n'est pas les mêmes levels. Quelqu'un qui voyage en classe affaires, quelqu'un met dans bourrette pour l'envoyer au pays. Est-ce que c'est la même chose là? Quelqu'un qui voyage en classe affaires, quelqu'un qui prend bateau pour aller lui-même dans son propre pays. Tu es en France pour aller au pays là. On ne te voit pas aller au pays. C'est quand tu es arrivé, quand c'est que tu es arrivé au pays. Tellement tu es dans la médiocrité ici en France, tu te caches pour rentrer dans ton pays. Et quelqu'un qui repart dans son pays vainqueur, quelqu'un qui repart dans son pays dans classe affaires, quelqu'un qui repart dans son pays, puis c'est Range Rover qui vient l'accueillir à l'aéroport. Toi, tu arrives même à Abidjan, même c'est Wawa qui vient te chercher. Tu luttes 200 fois pour rentrer dans ton quartier. Toi, tu vas venir t'asseoir pour venir parler des gens sur Facebook. Tu es malade. Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas zinzin, toi, tu vas venir t'asseoir pour venir parler de nous. Toi, tu vas venir t'asseoir venir parler de nous. Moi, mon retour à Abidjan, là, c'est les gens qui vont venir m'accueillir à l'aéroport. Le national arrive. Mon retour à Abidjan, c'est la classe affaire. C'est pas venir s'asseoir là pour venir. Je retourne au pays en tant qu'un vainqueur. Je suis venu à l'aventure. Je retourne au pays en tant qu'un vainqueur. Mais vous qui retournez au pays dans bourrette là. Vous qui retournez au pays, mais plus partir de négocier, même si on va vous mettre parmi les bagages. C'est que tellement vous n'êtes pas là pour payer l'avion là. Vous voulez qu'on vous mette pas. Vous voulez qu'on vous mette pas parmi les bagages. Ils vont vous mettre en tant que colis. Vous êtes prêts même à payer même bien d'avion 50 euros pour vous mettre dans le carton pour vous envoyer au pays. Vous venez vous asseoir, venir parler de nous. Vous êtes malade. Vous venez vous asseoir, venir parler de quoi tu as mangé. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Respectons-nous sur la toile. Apprenons à faire la part des choses. Respectons-nous sur la toile. Vous avez compris? Laissez la coach Kavia tranquille. Laissez la coach Amoshi tranquille. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de femmes qui adorent son travail. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui adorent son travail. Laissez-la. Personne ne vous oblige à la suivre. Personne ne vous oblige à l'aimer. Ce genre qu'elle se donne là, c'est le genre que son public aime. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu votre jalousie. Arrêtez un peu votre méchanceté. Arrêtez un peu votre haine. Arrêtez un peu votre mépris. Apprenez à faire la part des choses. Laissez les gens tranquilles dans les registres. Est-ce que je me suis adressé à quelqu'un ce matin là? Est-ce que quelqu'un a compris mon message ce matin? Est-ce que quelqu'un a été purifié ce matin? Est-ce que papa a parlé à quelqu'un ce matin? Ouvrez grand vos oreilles. Ce n'est pas un mépris, ce n'est pas dans le but de vous dénigrer. Vous aujourd'hui, ces petits blogueurs qui êtes sur la toile là. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette classe là. Je n'ai jamais fait partie même de cette classe là. Parce que quand je commençais même mes vidéos, je me suis déjà mis même à un haut standing. Donc, vous les petits brebis qui êtes derrière là, collez votre image à nous. Venez prendre des conseils avec nous. Demandez-nous comment vous faites pour être aimé. Comment vous faites pour avoir un temps de public. Comment vous faites pour être les enfants préférés de Dieu. Nous allons vous donner des conseils. Dans la vie là, quand quelqu'un est en haut, ne cherche pas à le faire descendre. Mais il faut demander à la personne comment la personne a fait pour être en haut. Quand quelqu'un est en haut, là, ne cherche pas à le faire descendre. Parce que tu ne peux pas le faire descendre. Mais il faut plutôt chercher à savoir comment la personne a fait pour être en haut. Donc nous qui sommes en haut, qui vous regardons en bas. Nous qui sommes en haut, et puis on vous regarde en bas. Demandez-nous pardon, on va plonger notre main en bas pour vous faire sortir. Ne cherchez pas à nous descendre. Parce qu'en voulant nous humilier, en voulant nous rabaisser, en voulant nous dénigrer, vous allez vous-même vous faire dénigrer. Vous allez vous-même vous faire insulter. Vous allez vous-même vous faire rabaisser. C'était mon message de ce matin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment le Aputu National. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment Coach Amoshik. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui aiment ma vieille mère, Lady Sonia. Que Dieu vous bénisse. Vous faites beaucoup pour ces femmes. Vous faites beaucoup pour ces hommes. Vous faites beaucoup pour ces foyers.
Personne ne peut vous enlever de votre chemin. Le chemin, il est encore long. J'aimerais d'abord commencer par vous dire ici, lorsque tu es béni, tu auras toujours des personnes qui vont venir mettre le bâton dans vos roues. Lorsque tu arrives aujourd'hui à un sommet, tu auras toujours des personnes qui vont venir chercher à vous descendre. Parce que dans la vie, on attaque que des forts, on n'attaque pas les faibles. On attaque que des personnes qui sont à un classe sociale, on n'attaque pas des personnes qui sont dans la médiocrité. Donc si aujourd'hui les gens parlent de vous, priez Dieu, remerciez Dieu. Cela prouve que vous avez déjà impacté le monde. Cela prouve que votre travail a aujourd'hui des résultats. Raison pour laquelle les personnes parlent de vous. Parce que si vous n'étiez pas important sur la toile, personne n'allait prendre son temps pour venir parler de vous. Donc c'est pour vous dire, vous êtes véritablement les enfants préférés de Dieu. Et quand vous êtes les enfants préférés de Dieu, reconnaissez votre place. Ne cherchez pas à descendre dans la médiocrité. Ne cherchez même pas à vous justifier vis-à-vis de quelqu'un. Mais vivez votre vie et avancez. Aujourd'hui, des personnes qui parlent de moi, qui font des directs aujourd'hui pour m'insulter, je ne m'assois pas pour venir parler d'eux. Parce que je sais ce que je vaux sur la toile. Je ne peux pas venir m'asseoir pour me faire descendre, pour venir descendre dans la boue. Ce n'est pas possible. Donc toutes les personnes qui vont parler de moi, à moins que ce soit une personne qui a une classe sociale suprême que moi, ou qui est plus en haut que moi. Moi, je m'assois aujourd'hui et puis je parle aux artistes et puis les artistes viennent répondre. Je m'assois aujourd'hui et puis des personnalités me suivent. Vous pensez que je peux traîner dans la boue? Qui va vouloir coller son image à moi? Aujourd'hui, les grands frères seraient dit, les Assalfo, les personnalités publiques de la Côte d'Ivoire, des grands hommes, les bleus ou des Charlie, qui prennent aujourd'hui leur téléphone, qui disent que petit, on aime ce que tu fais. Vous pensez que j'ai mon temps pour venir m'asseoir là, pour venir parler de la médiocrité? Vous pensez que j'ai mon temps pour venir m'asseoir, pour venir parler des personnes qui sont en train d'insulter ma maman, insulter mon papa? Non! Et ils sont encore dans la boue. Et ils cherchent encore à évoluer. Et ils cherchent encore à se démarquer. Moi, je suis plus dans ce même stade. On n'est plus dans ce même monde-là. Donc, ils ont le temps de parler de moi. Ils ont le temps de m'insulter. Ils ont le temps d'insulter toute ma famille. Ils ont le temps de dénigrer toute ma famille. Ils ont le temps de venir s'asseoir là pour insulter ma maman comme poisson pourri. Mais moi, je n'ai pas le temps là pour venir leur répondre. Parce que nous ne faisons plus partie de la même classe. Ils vont gesticuler, ils vont parler, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais jamais de ma vie, moi, le Apoutou National, je vais allumer mon téléphone pour venir parler à ces personnes qui sont sans insulter mes parents. Eux, ils traînent encore dans la médiocrité. Eux, leur nom est déjà gâté. Et ils sont obligés de se faire insulter pour avoir de la visibilité. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, j'essaie de redorer mon image. J'essaie aujourd'hui de me donner une nouvelle identité. J'essaie aujourd'hui de reconquérir mon public, d'avoir encore plus de public. J'essaie aujourd'hui de marcher dans les rues et puis voir des personnes qui m'aiment, pas des personnes qui vont m'insulter. Je n'ai pas besoin de m'asseoir là pour venir insulter. Aujourd'hui, regarde comment je suis fier. Est-ce que depuis que je me suis assis là, j'ai insulté quelqu'un? Mais regarde le nombre de personnes qui me suivent en direct. Regarde comment les gens m'applaudissent. Regarde comment les gens m'aiment. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin forcément de dénigrer quelqu'un pour avoir de l'audience. Tu n'as pas besoin forcément d'insulter l'intimité de quelqu'un pour avoir de l'audience. Mais quand tu parles avec le cœur, quand tu parles avec la conviction, quand tu parles avec sérénité, quand tu parles avec ton âme, c'est normal que le public vienne t'applaudir. C'est normal que le monde entier vienne te regarder. C'est normal que les gens cherchent à te faire évoluer. C'est dans cette classe-là que moi je suis maintenant. C'est dans cette classe-là que moi je suis maintenant. Donc les gens vont parler. Laissez les gens parler. On parle de toi parce que tu es important. On cherche à te faire descendre parce que tu es propre. On cherche à te salir parce que tu es propre. Est-ce que tu peux salir quelqu'un qui est déjà sale? Non, la personne est déjà sale. C'est parce que je suis propre que les gens cherchent à me salir. Mais aucune personne ne pourra me salir tant que Dieu aura sa main sur moi. Aucune personne ne pourra me salir tant que la bénédiction de mes parents sera sur moi. Je vais toujours avancer la tête haute. Les gens diront ce qu'ils ont envie de dire. Les gens diront que non, le Apoutou National il est impoli. Le Apoutou National il dénigre les gens. Le Apoutou National il insulte ses grands frères. Le Apoutou National il cherche à rabaisser les artistes. Mais Dieu qui est assis sur son trône, qui connaît la profondeur de mon cœur, et mon cœur même, dit petit là, la manière que vous pensez de lui là, c'est pas comme ça il est en réalité. Mais au contraire, il essaye de faire évoluer les gens. C'est comme cela que vous avez insulté Didier Arafat. Mais pourtant aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que non, Didier Arafat faisait les clashs dans le but de faire évoluer ses amis. Donc comprenez que quand je m'assois et puis j'allume mon téléphone et puis je décortique les artistes, c'est une manière pour moi de leur apporter de la visibilité. Mais comme je ne peux pas venir m'asseoir pour venir les caresser parce que personne ne va me regarder, il faudrait que je puisse battre le fer pour que le monde entier soit là. Donc ne prenez pas mes propos comme des propos qui vont blesser. Mais prenez toujours mes propos comme quelqu'un qui cherche à faire évoluer ce milieu-là. Parce que j'aime les artistes de Côte d'Ivoire. J'aime le showbiz ivoirien. Je veux voir la culture africaine évoluer. Raison pour laquelle je mets un peu ma bouche dans presque tout. Mais pas dans le but de faire descendre mes frères, mais pour les élever, pour les faire avancer. Je suis le national. Je suis l'enfant préféré de Dieu. Je suis l'enfant préféré de Marie. Je suis l'enfant préféré de Mohamed. Je suis l'enfant préféré de Allah. Je suis l'enfant préféré des hommes que Dieu a envoyés sur la terre. Je suis l'enfant préféré des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bleu Brigitte. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. Ceux qui m'aiment resteront. Ceux qui ne m'aiment pas partiront. Mais je resterai toujours vainqueur. Parce que Dieu a sa main sur moi. Je suis le national. C'est de ça qu'il s'agit.
premier ministre des légionnaires, Abré Stéphane Lumière de Paris. Je vais finir ici par saluer mon parrain, Fabrice Aouignon. Et saluer aussi ma maison de production, Chama Production. Que Dieu bénisse ma mère. Que Dieu bénisse aujourd'hui tous mes abonnés qui souscrivent matin, midi, soir dans le but de regarder mes directs. Que Dieu donne encore de l'argent pour que vous ayez les moyens de regarder toujours mes directs. Que Dieu vous donne la force, que Dieu me donne la force de m'inspirer davantage pour venir parler des sujets qui vont vous plaire. On est ensemble. C'est toujours le national. Premier ministre des légionnaires, je suis le fils de Debordo Likoufa. Coach Amoshik, caviar.